Alors, non, pas de pause, déjà la girouette à la place. Avant d'aller là-bas, moi je vous propose de tenter la tour de l'escarmouche. Qu'est-ce donc? Hey, mon mignon, toi avec la jolie épée, pouyouyou. Tu m'as l'air plutôt costaud, dis-moi. Ça te dirait de t'amuser un peu, pouyou? Ici, c'est la tour de l'escarmouche. Je te parle les détails. On verra ça plus tard. Pouyoupou. C'est sans rubis la partie. Allez, viens jouer, youpouyou. Ok. Ouais, bravo, mon mignon. C'est ce que je voulais entendre, youyoupou. Les règles sont super simples. Tu vas voir, Pouyouyou. Il y aura tout un tas de monstres. Et toi? Il faudra que tu les égouilles, Youboubou. Tu as l'air super costaud, mais comme c'est ta première fois, tu vas jouer à la formule à 100 rubis la plus facile. Elle ne fait que 5 étages, ça ne devrait pas te poser de problème, Pouyoupou. Ça fera 100 rubis, Youboubou. Je vous envoie un client, Poupouyou. Surtout, ne lui faites pas de cadeau, Youboubou. Qu'est-ce que c'est que ce youpoupou? Ah, mon mignon, j'ai oublié de te dire, youpoupou. C'est pas garanti que tu ressortes vivant. TKT, j'ai plein de fées. Je peux mourir 20 fois. Non, pas 20 fois, mais... Hop. Je finissais de me resservir. Et oui, c'est important. Ouais! Oui. Terminé. I defeat the bird. The bird is killed. Woo! Te revoilà, bon mignon. Est-ce que tu avais la classe quand tu combattais, Poupouillou? Cette fois-ci, tu as mis... 0 minutes et 54 secondes, mon mignon. À partir de la prochaine fois, si tu améliores ton temps, je te donnerai des rubis en plus, Poupouillou. Et comme tu as terminé cette formule, tu peux maintenant essayer celle à 200 rubis, Youyoupou. Elle fait 15 étages, tu auras de quoi frapper du monstre, Pouillou. Et en plus, si tu la termines, tu pourras gagner un fragment de cœur, Youpouillou. Ça te coûtera 200 rubis la partie, alors n'hésite pas, Youpoupou. Reviens quand tu veux, je t'attendrai, Pouillouyou. Non mais arrête de parler comme ça, putain c'est chiant. Oui, je reviens, mais d'abord je sauvegarde. Oh, I really hope it's gonna be okay. Isn't there anything you can take or get to ease the pain or kill the bug? I don't know. And I hope the medicine isn't too hard, too expensive. The medicine or the drug, I don't know. Bla bla bla, 200 rubis, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.
Blablabla. Alors, un. Deux. Même si eux ils disent premier étage, mais il y a le rez-de-chaussée. Bon, du coup, je vais pas compter parce que sinon je vais m'embrouiller. Ce sera plus simple. Should go to the dock, you know. You. Mais charge ton attaque! Oh! Voilà! Oh non! Ouais, avec la baguette de feu, ça peut le faire. Mon quart de cœur. Et mon quart de cœur. Voilà. Ah. Oh, on va tester celle-là à 30 étages. Hein? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Allez. C'est parti. Mmh.
Okay, well, you know what to do, but just don't put yourself in danger. 300 rubis, c'est parti! 50 étages, allez! Mon mignon, je vais te dire, Poupouillou, de tous ceux qui ont tenté cette formule, aucun ne s'en est jamais sorti vivant, Poupouillou! T'es capté? J'ai des faits. Je me suis fait eu. Oh, je me suis fait eu deux fois. Scandalifiant. Il y a 1200 étages après. Non! Oh, mort! Du coup, c'est pas 50 étages qu'il y a, c'est 100 en fait. Hein, si à chaque fois il y a des vagues par deux, par deux, par deux. Yep, I think it's the last challenge for the tower. There are 50 floors. So I think it's the last. I hope so. Otherwise, it would take a little bit. To end everything? Oh yeah! Three stupid dummies! Whoa! Oh no, more! J'avais plus doucement parce que sinon des fois je leur marche dessus. Voilà. Manque nut nut. Ah. Oh non 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 non. Ça va, j'ai encore assez de batterie. Je préfère la vérifier, hein. Ce serait con de tomber en panne de batterie maintenant.
I was just checking my battery, because I don't wanna... I just don't want to be out of power, so I was just checking how much left. And I'm good! They were mimicking, and they were, yeah, mirror mimicking, that's right. Oh! Allez, on est bientôt à la moitié. Allez, la moitié. Attendez un petit peu que la jauge d'endurance remonte.
Oh. Mais pas de soucis, pas de soucis à vous. Bah, des bisous et bonne salade. Merci d'avoir regardé. Wouh! Oups. Ah! Allez, on se réveille. Il va falloir qu'on utilise une fée. Hein. Oh, the last save was just before this challenge, but I don't care, because I got tons of fairy. I just hope they will be used by themselves, so I don't have to actually use them. They just be used automatically. But I guess I can still just pop a fairy, and there, I'm saved. I got tons of them, so it's okay. I'm not worried. Whoa! Okay. Whoa! Okay. Oh, the last wave! I read save. Oh my god, I cannot read anymore. The last wave, it's 50, so just 10 more. Just 10 more. Ah, mais j'arrive pas à charger mon épée quand je frappe. Ah! Voilà. Salut El Killer, ça va? Wouah! Oh, mais laissez-moi charger mon épée! Et laissez-moi l'utiliser après. Allez, vas-y, recule. Allez, recule. Voilà. Ah, ils sont tout de suite électriques. Ça va, c'était pas dur. Ça va, ça va. Ouh ! Voilà, on va attendre que ça explose. Voilà. C'est A Link Between Worlds, comme l'indique le titre du stream, enfin le truc sous le titre du stream. Après, t'es peut-être sur téléphone, donc tu vois peut-être pas le nom du jeu, mais non, c'est un jeu 3DS.
On va utiliser une fée, hein. On va pas attendre de savoir si ça va s'utiliser automatiquement. Voilà. Et ça. Mais il marche pas dessus. Voilà. Donc oui, salut Adrien, ça va? D'accord, oui, non, mais pas de soucis, y a pas de soucis, c'est pour ça que je précisais, parce que des fois les gens voient pas le titre du jeu. Mais non, non, donc oui, c'est bien un jeu 3DS. Si la qualité peut sembler un peu dégueu, simplement parce que j'ai étiré l'écran un petit peu pour y voir plus clair sur le bureau. Don't apologize for lurking. I mean, everybody can lurk. I don't mind. Everybody can just do whatever they want. Don't apologize for that. I mean, why would you apologize for lurking? I don't mind, you know that. Yo! Ah! Non mais... Bah oui, forcément, tu pars dans ma gueule. Ah! Peur, hein? Ah, les gros rubis! Regardez-moi ce nombre de thunes qu'on s'est fait. Eh ben dis donc! Bravo mon mignon! Je ne pensais pas te voir vivant, Youyoupou! Cette fois-ci, tu as mis 11 minutes et 53 secondes, mon mignon. Bah oui, bah écoute, hein. À partir de la prochaine fois, blablabla. Bla bla. Et comme c'est la première fois que tu termines cette formule, mon mignon, tu as droit à un cadeau en plus. Super lanterne. Elle éclaire autant que l'ancienne, mais sa puissance d'attaque est bien plus grande. Comme ça, tu pourras éliminer tes ennemis à coups de lanterne. Tu devrais essayer. Au fait, j'ai encore une autre récompense pour toi. Tu la veux? Tu la veux, hein? Bien sûr, pour l'avoir, il te faut terminer la formule à 300 rubis encore une fois. Et il faudra que tu aies sur toi un truc pour attraper les insectes. Promets-moi que tu reviendras. J'ai un peu envie de savoir ce que c'est. J'ai un peu envie de savoir ce que c'est. Mais avant ça, si on sauvegardait. Oui, je stream directement via la 3DS, c'est Aurore qui m'a passé sa 3DS capture. Ah bah oui, bah effectivement, des fois je stream et je passe à d'autres jeux. Quand les gens ne peuvent pas forcément passer tout le temps, bah oui, bah les jeux changent. Eh oui. Le thème a changé. Bon allez, je vais chercher des fées moi. Pouf.
1, 2, 3, 4 et 5. Oh, j'ai 5 bouteilles. Haha! The last tunic, I know where it is. I won't say a thing about that. But you will definitely see it. Ah oui, c'est toujours la même licence de jeu. Quoique, entre temps, j'ai eu le temps de faire un autre jeu, je crois, non? Je sais plus. J'ai pas fait autre chose. J'ai pas joué à un petit truc entre temps. Attendez, laissez-moi regarder. Laissez-moi regarder. Et si, j'ai fait Wonder Boy, c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait Wonder Boy entre temps. Et oui. Et oui, et c'était bien cool Wonder Boy, je recommande. Et après Link Between Worlds, je pense que je ferai un peu de Paper Mario. Et ce sera bien cool. You want to say cause the people who care of spoiler rights? Yeah, and I mean, we'll definitely get it, so I just want to spoil where it is, but let's just have a bit of surprise. So I'm gonna redo the tower, cause she said that there's another reward if I redo the tower again. Cause redo and again, yeah, I know. So, yeah! We'll do that again, and again, and again! Yeah! Let's go! Blah blah blah! Hop! Let's go! Donc on l'a refait, puisque du coup, eh ben, elle a dit qu'il y avait une autre récompense, donc c'est parti! On y va! So I just put on my USB fan. So if you hear a noise or something, it's just my fan, so don't worry. I hope it's not too loud. So yeah, don't worry, it's just a fan, you know, one of my many fans. No, because I'm hot, it's getting hotter since the sun is gonna be heating the living room where I am now, because it's the time of the day. That time of the day, it's gonna be hot, and I hate that, so I just put my fan on. You can't hear the fan, it's good. Cool. Cool, cool, cool. That's nice. But it's a really small one, so it's cool if it's not that loud. I was kinda afraid that it would make too much noise, but if you can't hear it, it's okay then. You are hot, so you have many fans. Yeah! Seems legit, of course. Wink, wink! Je vais plutôt faire comme ça, juste marcher et me barrer, ça marche mieux. Ça marche mieux. Yeah. Are you ready? Wow! No, if you can hear the noise.
Sucker. So annoying. C'est pas le bouton que je voulais appuyer. Alors, le donjon que je fais maintenant, en fait, c'est... Est-ce que t'as fait d'autres Zelda? Pour savoir justement si je peux te comparer ça à quelque chose que tu connais ou pas du tout. Si non, eh bien, en fait, c'est juste une tour qui est composée de 50 étages où tu affrontes des vagues d'ennemis étage par étage. Et donc, du coup, bah, pouf, je refais ça parce que la nana, elle a dit qu'il y avait une autre récompense à la clé. Donc je refais. Et si t'as fait d'autres Zelda, c'est comme la caverne de Lord Ali dans Twilight Princess par exemple. Non, t'as jamais fait d'autres Zelda. Bon, voilà, comme ça j'ai bien fait d'expliquer avant dans le doute. Ah! C'est ça, c'est une tour bonus, tout à fait. Tout à fait. Dans le DLC, il va effectivement y avoir une caverne dans le même genre qui va être ajoutée, ainsi que d'autres costumes et autres machins. Donc j'ai hâte qu'ils sortent en tout cas. Just like last time, so 50. Nee. Eh ben les bébés, qu'est-ce que tu fais? Eh ben les bébés!
Ils sont tombés tout seuls, les deux autres. Après, si t'as bien aimé Ocarina of Time, ouais, bah déjà tu peux, pour rester dans le même univers graphique, tester Majora's Mask qui reprend les mêmes modèles mais qui est beaucoup plus sombre que Ocarina of Time. Après, il y a tout ce qui est Link to the Past et celui-ci qui est sa suite directe, mais pas dans le sens là. Et après, non, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bons Zelda. Quasiment tous, même pour ma part. Après, je sais pas, ça dépend qu'est-ce que t'as comme console, qu'est-ce que t'as comme, comme truc. Pourquoi jouer, donc. Mais globalement, ouais, si t'as bien accroché avec Ocarina of Time, je ne peux que te conseiller les autres également, effectivement. À terre foutre le fantôme. À terre foutre le fantôme. Il y en a tout aussi bien en 3D que en 2D, ça dépend vraiment de ce que tu cherches comme truc. Bon, ils sont tous morts là ou Non mais... Qu'est-ce que c'est que ces ennemis qui se cachent? La Wii U et la 3DS. D'accord, bah effectivement, bah, sur Wii U tu peux déjà tester si tu arrives à les trouver Twilight Princess et Wind Waker HD qui sont très très cool. Donc en plus les deux que je viens de dire ont bénéficié d'un remake HD parce qu'à la base c'est sorti sur GameCube et sur Wii. Donc les deux sont vraiment superbes en HD, j'ai fait les deux d'ailleurs, ils sont sur sur YouTube si tu veux voir un petit peu vite fait à quoi ils ressemblent. Et sur 3DS, bah, t'as celui que je suis en train de faire, Link Between Worlds, qui est une espèce de suite à A Link to the Past, qui reprend exactement la même map et quelques mêmes principes, mais je conseillerais quand même de faire A Link to the Past d'abord. Et puis après, en émulation, effectivement, il y a tous les anciens, comme bah, justement A Link to the Past. Par contre, j'ai jamais fait Zelda 1 et 2, ni le 3 d'ailleurs. Après qu'est-ce qu'il y a? Le Minish Cap aussi qui était très bien, que je compte faire, un de ces quatre aussi, que j'aimerais bien faire, donc Ah, t'as aussi fait Wind Waker, toi, et d'accord, donc oui, donc ça va, du coup, t'as déjà fait cela, effectivement. Bah ouais, bah du coup sur 3DS, effectivement, j'ai dit beaucoup trop de fois, effectivement, bah t'as celui-ci, t'as... alors, il y a Triforce Heroes, mais j'ai pas pu le tester, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, celui-ci. Il y a, après, soit en émulation, soit dispo sur l'eShop, peut-être, je ne sais pas, donc Minish Cap, Link Between Worlds, Link to the Past, Oracle of Season et Oracle of Ages, qui sont tous deux très très bien, et qui en plus, si t'as les deux et que t'en finis un, t'auras un code, et ce code tu pourras le rentrer dans le deuxième oracle, et t'auras des bonus. Donc ça c'est assez cool. Et non, il y a vraiment vraiment pas mal de bons jeux sur Zelda 3DS ou Zelda DS ou Zelda plus vieux encore, parce que pas encore de DS à l'époque. Donc les Zelda 2D sont vraiment très très sympas. Je ne peux que conseiller. Ouais,
c'est vrai, il y a aussi alors Phantom Hourglass avec un bateau qui est un peu dans le même esprit que Wind Waker. Moi je l'ai bien aimé, beaucoup ont trouvé ça bof, mais personnellement je l'ai bien aimé. Et c'est comment il s'appelle déjà? Phantom Hourglass, Spirit Tracks, voilà. Spirit Tracks, alors pour le peu que j'ai fait, je l'ai vite lâché parce que je savais plus trop où aller et j'avais trouvé ça un peu répétitif. Mais il faudrait que je retente. Parce que peut-être qu'il est quand même pas trop mal. Donc il faudrait que je le retente, que je lui redonne une chance pour voir qui c'est. Mais effectivement, entre les deux, je conseillerais plus facilement... Ah, j'avais oublié lui. Je conseillerais plus facilement Phantom Hourglass que Spirit Tracks, parce que je garde un meilleur souvenir de Spirit de Hourglass que de Spirit Tracks, justement. Par contre, il se contrôle un peu bizarrement... dans le sens où tu vas utiliser l'écran tactile pour... alors c'est le cas pour Hourglass, je me souviens plus pour Spirit Tracks si c'était pareil ou pas. Mais quand tu vas devoir bouger de Link, tu vas le déplacer au stylet. Donc ça peut rebuter un peu les gens la première fois. C'est vrai que ça peut être un peu chiant quand on n'a pas l'habitude de la 3DS. Mais bon, au final ça va, hein. Moi j'ai fait tout Hourglass, ça m'a pas plus dérangé que ça. Juste un coup de main à prendre, je dirais. Mais ça peut rebuter, ça peut être une mécanique qui rebute. Parce qu'on n'a pas la possibilité de jouer au stick. De pouce. Quoi? Non, pas du tout, c'est vraiment juste le stylet parce que sur 3DS. Enfin, parce que sur DS, pardon. C'était même pas sur 3DS, sur DS. Ah, je l'évite pour finalement me le prendre quand même. Alors, on va faire une petite pause fée. Et tant que j'y suis, on va même utiliser une deuxième. Voilà. Comme ça, on est bien. Allez, bientôt fini. Ah, faut que j'arrête de leur marcher dessus. Faut quand même que je les touche, hein. Voilà. Ah! Youhou! Alors, c'est pas
chaque jeu t'es vendu avec une dragonne à mettre autour du pouce avec un côté stylé que j'ai sur l'écran comme si c'était un joystick. D'accord, je savais pas du tout ça. Intéressant, tiens. Pas de soucis. Pas de soucis, bonne course. Il y a des chances qu'effectivement j'arrête dans pas très longtemps. Donc, en théorie, je devrais restreamer ce soir si la connexion internet le permet. Mais c'est ouvert parce que c'est férié aujourd'hui. Remarque, tu dois certainement savoir quels sont les magasins ouverts ou pas. Alors, waouh, tu as battu ton record. Alors, tu as droit à un petit bonus. Et j'ai plus de place. Mais dis-moi, c'est la deuxième fois que tu termines la formule à 300 rubis. Alors, voilà la récompense que je t'avais promise. Le super filet à papillon. Il inflige désormais 8 fois plus de dommages. Et oui, c'est aussi une arme. Maintenant, tu vas pouvoir terrasser tes ennemis à coups de filet à papillon. C'est super rigolo. Je t'ai donné les deux cadeaux que j'avais à t'offrir, mais tu reviendras quand même? Non. Promis? Non. Non! Jamais! Yeah, I reached the max rupee. I cannot get any more. I have to buy stuff. So now my bug catcher or something like that, my net. My net deals damage. I can kill monster with that, and it's kind of funny. It's just not that easy to use compared to some other weapon, but it might still be funny to kill monster with that, and it's pretty tough. Mais oui, elle est totalement improbable et pourtant elle fait quand même vachement mal parce que là, des inox qui balancent des boules de neige, ils sont quand même plutôt résistants. Et je les ai descendus assez rapidement. Bon, quand j'arrive à les toucher, certes, mais... J'ai one shot le gars. On va dire, voilà quoi. Ça fait mal. Allez. Ça one shot les ennemis. Yeah! Final boss with the net, I try. Ça pourrait être tellement drôle. Mais en plus, j'y pensais justement, je cherche putain, faut essayer de battre le boss avec. J'ai combien de places? Encore deux. Se soigne. Et non, faut pas sous-estimer le pouvoir du filet à papillon. Eh oh. Vous pouvez également taper vos villageois les plus fidèles grâce à votre filet à papillon dans Animal Crossing, mais c'est pas gentil de faire ça. Et vous pouvez. Bien. Alors, donc ça c'est bon. Statuquette. Donc alors, le dernier quart de cœur. Enfin, un dernier quart de cœur, je sais que c'est la récompense du jeu, là, l'espèce de baseball poulpe, qui est juste à côté, là. Mais j'arrive pas à faire ce jeu, donc c'est même pas la peine d'essayer d'avoir tous les quarts de cœur. Par contre, le dernier, je vais juste regarder où est-ce qu'il se trouve, parce que ça m'intrigue un peu quand même. Mais d'abord, sauvegardons, hein. Voilà. On a refait le plein de fées. Alors, les quarts de cœur. Alors. Je regarde. Donc. Effectivement, on a été récupérer ça tout à l'heure. Le quart de cœur dans la grotte chez. Enfin, sous le forgeron en Hyrule. Ensuite. Donc le quart de cœur qui était là où il y avait la chapelle, ça c'est pris. Quart de cœur où il faut faire péter une grosse pierre, ça c'est fait. Quart de cœur avec la femme dans le village de Hyrule, c'est fait. Le mini-jeu avec les coffres en Lorule, c'est fait également. La tour, c'est fait.
Ouais, celui-ci on l'a fait. On a fait tous les chemins. Celui de la tortue s'est récupéré. Pour la baguette des sables, c'est bon aussi. Est-ce qu'on l'a récupéré celui-là? Le dixième quart de cœur se trouve sur votre chemin en allant dans le palais des ténèbres. Évitez simplement les gardes et allez au nord de la zone près d'une corniche pour l'obtenir. Ah oui, si, c'est bon, on l'a fait celui-là. On l'a fait. On nécessitera le marteau. Donc ça, c'est récupéré, ouais. Palme de Zora, la grotte, il me semble que celui-là, on l'a pris, je crois. Ça c'est fait, le truc avec les piliers je l'ai fait. La maison du forgeron. Ouais, ça c'est fait, fallait passer derrière. Donc ça c'était le mini-jeu avec les poules, c'est fait. Ensuite, le cœur de cœur avec la fille au rubis, c'est fait. Sauter dans le trou dans le village, c'est fait. Passer entre les murs dans la forêt, c'est bon. Ouais, ça, sur le mont Hébra, on l'a récupéré aussi. Il me semble que celui-là a été récupéré, oui. Ça, la grotte, on l'avait récupéré. Peut-être le cœur de la course, on l'a peut-être pas forcément récupéré. Ah, quoique, non, attendez. Ah, attendez. Je crois que je sais où il est l'autre. Attendez, je regarde si. Ah, bah non, même pas. Même pas. Eh bah, même pas, en fait. Donc, je vais continuer à lire. Parce qu'il y a un mini-jeu qu'on n'a pas fait. Parce que je pense que j'ai pas des bottes assez rapides. Mais en fait, peut-être que si. Donc, ouais, le mini-jeu du baseball, ça, j'arrive pas à le faire. Donc le jeu, ça s'est fait avec le gars qui demande pareil d'arriver pile poil sur le timing parfait. Celui-là s'est récupéré, celui-là s'est récupéré. Ça c'est bon. Ouais, bah dans ce cas il y en a un que je pense avoir pris mais que j'ai pas pris. C'est peut-être celui chez les Zora. Dans une petite grotte, mais je suis pas sûre. Pire des cas, c'est pas très grave, parce que de toute manière, on n'aura pas tous les quarts de cœur, vu que j'ai pas envie de faire le jeu du baseball. Et oui. Faire une pause en appuyant sur start. T'as vu? Are you waiting something? No, yeah, just like Kazanli said, I was just checking for the heart pieces to see the one I miss. But I'm not gonna get them all, because one of them I have to do a mini game that I kind of hate. It's a baseball-like game, mini game. I just suck at it, it's too hard and I really don't feel like doing it, so I'm not gonna do it. As simple as that. So we're not gonna get all the heart pieces. I was just checking where one of the last one were, but I don't really know where it is. Because I think I got them all, but I didn't. There are two missing, but I just give up since I'm not gonna get them all, because I'm not gonna do the mini game. So this is as far as we're gonna go, so. C'est comme le hockey chaton. Ah, pas vraiment. Non, en fait, t'as un espèce d'Octorok qui te balance des cailloux dans la gueule. Mais c'est un gentil Octorok.
Et il faut que tu frappes les cailloux qui te balancent, donc ils sont plus petits hein, que la norme. Il faut que tu rebalances les petits cailloux sur des petits pots, que tu casses un max de pots. Et tu peux avoir un système de combo, tu peux avoir plein de rubis. Et justement, je crois qu'il faut. Je sais plus combien de rubis pour. Avoir le quart de cœur, justement. Et j'ai pas envie de faire ça. Donc. C'est ça, c'est du poulpe au baseball. Tout à fait. C'est complètement ça. Donc, bah, il est 19h, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de trouver qu'est-ce que je me fais à manger. Et puis le bébé, il a faim aussi. T'as faim, bébé? Tu veux les croquettes? Non, t'as chaud, hein. Oui, t'as chaud, t'es fatigué. On va faire une double sauvegarde. Donc, si tout va bien, si Internet tient, on fera la fin de ce Zelda après manger. Et si ça va pas, ou qu'Internet tient pas, et ben on fera ça demain. Voilà, hein, tout simplement. So guys, I'm done for now. I'm just gonna take a dinner break, because I'm hungry. I think we might be able to finish the game after that, if I'm fine, if I don't have any issue with internet. So if everything is fine, we'll be heading towards the end of Link Between Worlds after my dinner break. If not, tomorrow. So yeah, thank you for watching and I'll see you later. Either be it after or tomorrow, I don't know. So take care until then. I'll see you very soon. Bye bye. Allez, bon app tout le monde. Des bisous. À tout à l'heure. Salut.